Yeah!
Il y a quelqu'un, Jésus en envoyant. Aïe! Bien attaché. Il s'en va à 2015. Aïe! Aïe! Jésus, aïe! Aïe! Jésus, aïe! Thank you.
Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? La gosse La gosse siwa.
Jésus de Nazareth. Dieu, quelqu'un, Jésus est merveilleux. Dieu, quelqu'un, Jésus, il est merveilleux. Amen. Quelqu'un, c'est toi. C'est un grand événement. Pourquoi? Parce que nous allons accueillir, nous recevons 2016. C'est un événement de taille. Vous savez, quand vous recevez une grande personnalité, vous vous apprêtez par rapport à cette réception. C'est pour ça que la visite du président de la République dans cette ville de Divo, il y a eu un toilettage. La ville a changé d'aspect. Est-ce que tu es prêt à recevoir 2016? Amen. Amen. Tiens, quelqu'un, est-ce que tu es prêt à recevoir 2016? Qu'est-ce que 2016? 2016, c'est quoi? Amen. Ça apporte quoi? Est-ce que tu as changé de manger? Or, en numérologie, vous savez, Dieu n'agit pas sans les chiffres. Le plus grand numéro, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on dit le premier jour, deuxième jour, jusqu'au sixième jour. C'est bien compté. Et quand vous comptez un dictionnaire des chiffres qui regroupe 2016, vous trouvez le chiffre 9. N'est-ce pas? Amen. 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 Vous trouvez le chiffre 9. Or, le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accomplissement. Alléluia. Voici réellement 2016. 2016, c'est l'accomplissement. C'est une année d'investissement où chacun doit investir. C'est l'année où chacun doit prospérer. J'ai attendu un mariage, tu auras le mariage en 2016. J'ai attendu l'enfantement, tu auras un enfant en 2016. Alléluia. C'est ça que 2016, c'est important. C'est l'accomplissement. Tu as pleuré, c'est l'accomplissement. Dieu est obligé d'accomplir des cieux et des larmes. 2016. Vous savez, c'est nous qui accueillons 2016. Il faut savoir accueillir 2016. C'est pour ça qu'ils ne sont pas aujourd'hui dans les bois de nuit. Non, ce n'est pas comme ça qu'on accueille 2016. 2016 est spirituel. Il ne se trouve pas dans la chair. Il est spirituel. C'est pour ça que David déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a commencé par les cieux, qui est symbole du monde spirituel. Tout part du spirituel. Tout commence par le spirituel. Tu as fait quoi pour gagner quoi? Or, la Bible déclare que on ne récolte ce qu'on a semé. Alléluia. Qu'est-ce que tu as semé pour récolter quoi? Alléluia. Ce que tu auras semé cette nuit, c'est ce que tu as récolté en 2016. Alléluia. C'est ça que c'est vraiment important. C'est une transition. Et la transition est importante. C'est une passation de service. Et tu dois vivre ça. Pas dans un bar. Pas dans un maquis. Tu dois vivre. Spirituellement, parler pour dire je t'accueille, Bénissère, je suis convaincu que tu m'apporteras le mariage. Je suis convaincu que tu m'apporteras l'affrontement. Je suis convaincu que tu m'accorderas la prospérité. Alléluia. Amen. Nous allons accueillir 2016. Je pense que chacun d'entre nous a commencé à faire un bilan. Un toilettage, ça c'est important. Il faut commencer à comprendre que tu as certainement posé des actes qui n'ont pas glorifié Dieu. En tant qu'humain. Alléluia. Il faut commencer à préparer ton âme, ton esprit, à accueillir cette personnalité qu'on appelle 2016. Parce que 2016 vient avec beaucoup de choses. Amen. 2016 vient avec ton mariage. 2016 vient avec ton âge. 2016 vient avec ton voyage. 2006, il y avait beaucoup de choses. Même si 2016 ne croit pas en toi, quelqu'un qui doit l'accueillir, il passe tout, il va y aller. C'est pour ça que regardez, dans un ministère, dans un service, le passation des services est important. Amen. Alléluia. Or, généralement, vous savez, c'est à partir de minuit que nous allons entrer dans la nouvelle année. À partir de minuit, vous allez voir que l'horloge, la montre de chacun va changer. Ça va mentionner. Janvier 2001, c'est le premier jour. Or, au commencement, qu'est-ce que tu as fait le commencement?
Or la Bible déclare, le fondement de toute chose importante, le commencement de toute chose importante. Tu débats 2016 comment? Amen. Amen. C'est qu'un homme aura semé et le moissonnera. C'est spirituel. Amen. C'est pour cela que nous sommes là ce soir, quoi qu'il 2016. Parce que cet homme, nous avons pleuré l'année dernière. Nous ne voulons plus pleurer. Parce que ça symbolise l'accomplissement. Il y a des choses qui ne doivent plus nous arriver. Or, dans la vie d'un être humain, l'échec est souvent important. Parce que ça porte l'expérience. Quand tu échoues, ça te rend grand. C'est pour ça que n'aie pas peur d'échouer. Alléluia. N'aie pas peur de l'échec. L'échec vient pour accomplir ta grandeur. L'échec vient pour te positionner dans la grandeur. Il faut souvent échouer. Et l'échec apporte l'expérience. Certainement, tu as échoué dans certaines choses en 2015. Mais 2016 viendra pour ne plus que tu échoues dans ton entreprise, dans ton mariage, dans ton foyer. 2016 vient accomplir tout ça. L'accomplissement. Et nous allons poser un acte, nous allons l'acquérir avec des paroles, des actions. Et 2016 doit reconnaître que pendant qu'il venait, tu l'as bien accueilli en lui donnant une parole. Et cette parole-là, qui s'accomplira toute l'année dans ta vie. Alléluia. Nous sommes spirituels et on ne joue pas la spiritualité. Bien aimé, on ne joue pas avec la spiritualité. Or, la spiritualité, vous voyez, a horreur de la négligence. Si vous négligez ce passage, vous allez tous trébucher. Celui qui néglige ce passage, il aura les problèmes. Pendant que d'autres soient assis, pense que le problème de 2016, c'est là-bas. Non. Ils n'ont pas compris la chose. C'est plus que ça, c'est spirituel. Amen. Alléluia. Et je vais vous donner aussi une révélation. Et ne jouez pas à partir de 2000, le 1, 2, jusqu'à 12. Ça veut dire quoi? C'est les 12 mois de l'année. Si vous avez joué avec les 12, le premier jusqu'au 12, si vous jouez avec ça, c'est-à-dire c'est un moment où vous devez plus vous mettre dans la prière, les 12 jours de l'année, là, vous avez accompli l'année. Amen. Ah oui. Alléluia. Je suis conseiller un guide spirituel, en spiritualité. Tout se prépare. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. À une certaine heure, nous allons parler en janvier. Janvier, tu viens, tu m'envoies quoi? Si c'est malédiction, c'est pas chez moi d'avoir ça. Janvier, il faut que tu m'apportes tout le temps. Janvier, enregistre. Février, tu viens quoi? Si c'est telle chose, c'est pas chez moi. Janvier, tu peux m'apporter tout le temps. Jusqu'à nous allons consacrer les 12 mois de l'année. Tu vas donner une parole à chaque mois de l'année. Or, si la malédiction veut venir, et février dira que il m'a déjà prié, il m'a dit non, en février, je ne dois pas lui envoyer la malédiction. C'est déjà écrit. C'est ce que tu as écrit là. Or, le semeur sème la parole. Amen. C'est ce que tu as semé là, c'est ce que tu as récolté. Amen. C'est ça que nous sommes là en train de veiller. C'est la spiritualité. C'est plus sérieux. Dieu nous appelle à être grand. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. C'est ça que Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, il nous a donné le pouvoir. Ça dépend de comment tu l'utilises. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux.